Nous devions façonner ce monde. Notre terre, allègrement rasée par la météorite nommée Apophis, nous devions la reconstruire. Mais un homme s'y est opposé. Nicolas Rain. Un seul bouton a suffi à mettre fin à notre monde. Les arches ont émergé. Les écopodes ont dégringolé, encore immatures, déversant la vie sur des terres nues, relançant le cycle de la vie, comme nous avions prévu de le faire avec notre propre espèce. Notre monde est mort dans l'œuf, à cause de cette populace, naïve et arrogante. Le nettoyage de notre espèce affaiblie a été entravé. Notre aide a été égoïstement refusée. Ils ont préféré leur piètre existence à l'avenir de la race. Quelle vanité! Ils nous ont cru vaincus. Nous les avons laissés y croire. Mais nous avons œuvré en secret. Nous avons vu leur chamaillerie, leurs insignifiantes petites guerres, leurs tentatives puériles de tirer l'ordre du chaos. Et nous avons grandi. Notre science, notre expertise, tout était aligné. Tout n'avait qu'un objectif. L'élimination chirurgicale des faibles. L'humain, nouveau. Nous broyons leurs défenses. Nous prenons leurs enclaves. À nous, les arches. Ce soir, nous rasons leurs camps et leurs baraques. Ce soir, c'est le début de la purge. Ce soir, c'est la renaissance de l'autorité. Qu'est-ce qui se passe dehors ? Rien de bon. On ferait mieux de se préparer et d'y aller. Bon, c'est l'heure d'y aller. Ouais, prends tes affaires. C'était quoi ça ? Allez, Walker. Prends tes affaires, il faut partir d'ici. Je sécurise la porte. Putain, Lily, il était pour moi. Faut être plus rapide que ça, Walker. Lily, c'est la seule famille que j'ai. On a grandi à Vineland, élevé par sa mère, sergent instructeur. Moi, je suis orphelin. J'ai pas de mère. T'inquiète, il y en a plein d'autres encore. Je te l'ai dit, c'est l'assaut final. Ok. Alors on fonce dans le tas. Allez, on y va. J'arrive. C'est le jour ? Même pas. Ça va être dur de garder le compte. Ah, les chiffres, c'est pas mon truc. Walker, rejoins-nous dans la cour. Tout de suite. On arrive. Lily est avec moi. Jersey est mobilisé pour avertir les autres camps. Ils doivent être informés. On peut pas rigoler, alors. Je viens d'entendre ça à la combox. C'est la plus grosse attaque qu'on ait connue. Alors on y va. On va aller se chercher une jolie médaille. Allez, par contre, nous visez. Un gros.
arracher la tête. Adieu, Ranger Jersey. Il s'en remettra pas avec un pansement. À moi de jouer maintenant. L'armure est à moi. Putain, maman va te crucifier pour avoir touché à de l'équipement de Ranger. Oh, il y a encore plein de petits bouts de jersey là-dedans. Ouais, mais c'est notre seule option. Oh, ouais! C'est encore mieux que ce que je pensais! J'arrive. Walker en approche.
de dingue. Chère tante Prolet, héroïne de guerre décorée, ranger, modèle. Surtout pour Lily. Elle m'a recueilli à la mort de mes parents. La mère la plus vache qu'un orphelin sauvage puisse souhaiter. Walker au rapport. Viens là. C'est l'armure de Jersey. Jersey. Ils l'ont tué. Si t'es assez brave pour porter son armure, tu pourras aussi faire son bruit. Bordel! J'ai jamais vu un truc aussi gros! On va pas le rater! Impossible! Mais je l'ai tué! Le général Cross! Oh, tu vas tuer! Je veux la première génération! Tuez tout le reste! Le général Cross, chef maléfique de l'autorité maléfique. Notre croque-mitaine. Une histoire pour faire peur au garnement comme moi. Je sais pas si Prolet est devenu dingue. Ou si elle a raison. Mais si c'est le cas, je le laisserai pas faire. Sacrifice! Reste ici! Je te donne un ordre! Bon, essayons de relancer ce truc. Dégagez! Attends! Oh putain! Putain! Ah, j'étais plus dans les vapes! Ouais, je sais. Mais ta jolie armure avait besoin d'un bon coup de jus. Alors c'est tout. C'est tout ce qui reste. À peine 20 survivants. On déblaye encore les ruines. J'ai vu Prolet. C'était le général Cross. Il... Il l'a tué. Il a tué ma mère. Je sais pas comment. Mais on doit les arrêter.
et je tordrai moi-même le cou de ce sale petit enfoiré. Toutes ces histoires sur le retour de l'autorité... J'y ai jamais vraiment cru. Eh ben si. Et on doit faire quelque chose. Maman savait quoi faire. Les Rangers, aussi. Une minute. Ils avaient des fichiers et des rapports. Ils les gardaient dans le Présidio. QG des Rangers? T'es malade? Y a que les Rangers qui ont le droit d'y aller. Regarde-moi, Lily. Je suis le dernier Ranger. Oh merde. Mais ouais, t'as raison. J'espère que tu m'as pas fait venir pour rien, Prolet. Unité des crapahuteurs. Caporal Walker. Je suis venu chercher des infos sur... Sur le sergent d'unité de Ranger, Ervina Prolet. Voyons quel genre de surprise tu me réservais, feu Prolet. Mettre ma main là-dedans et croiser les doigts. Ah, attention les yeux. Bienvenue
de simulation. Ici, vous pourrez vous entraîner à utiliser vos armes de l'Arche et vos idées intronisation. Vous avez terminé l'installation de l'idée intronisation Ruée. Grâce à elle, vous pourrez esquiver les attaques vous ciblant et serez plus difficile à toucher. Permettra de vous entraîner à utiliser la ruée qui permet d'esquiver les attaques. Refaites-le. Encore une fois. Ça me bouffe le bras. Reviens dans le hall principal. J'ai d'autres informations pour toi. C'est bizarre de recevoir des ordres de ma tante morte. Je pensais me balancer tout ça comme ça et disparaître, hein, tant de prolet. Bon, ben... je suppose que c'est à moi de jouer maintenant. Lily, je dois trouver trois personnes. John Marshall, le docteur Kvasir et Luzum Agar. Ils font tous partie du projet DAG, un plan élaboré pour arrêter l'autorité. Ok,
c'est costaud comme commande. Ouais. Même depuis l'au-delà, ta mère, elle déconne pas. Trop tôt, Walker. Désolé, Lily. Mais bon, je suis prêt à explorer le Wasteland. Je crois que j'ai pile ce qu'il te faut. Viens me voir. Alors, t'as trouvé quoi ? J'ai beaucoup d'idées, de projets. Et avec ton aide, on devrait réussir à les faire décoller. Ta survie en dépend. On va commencer par ta caisse. On a d'autres projets qui pourraient nous aider. Toi, tu dois être en forme. Et moi, je dois ramener un semblant d'ordre à Vineland. Avec un peu de chance, tes trois contacts du projet DAG te proposeront la même chose. Parce que ça te fera vraiment pas de mal de t'endurcir avant d'affronter l'autorité. Merci pour le conseil. Bon, allez, j'y vais. Le monde dehors, c'est pas de la rigolade, alors fais attention. Et va... Regardez un peu qui voilà. Ranger, c'est ça? Je suis Phoenix. Je suis belle et je sais conduire. Et si on allait faire un tour, toi et moi? La route est barrée, et pas par une main innocente. C'est une embuscade à tous les coups. Ouais. Essaie de débloquer ce truc. Oh!
complètement surfait, les barrages. La voie est libre. Ouais, l'Alliance va adorer. Activation des systèmes. Mon armure s'éclaire. Elle réagit à un signal à proximité. C'est de l'Arctech, pas vrai? Oui, elle est conçue pour capter ces signaux. Ça pourrait être une ancienne arche. Si personne n'y a touché, elle peut encore contenir des armes et du matériel. Tu devrais aller voir? Walker, je sais que le Westland est grand. Mais dis-moi que t'as pas oublié John Marshall. Scanner de sécurité terminé. Bienvenue dans l'Arche 416A. Puissante force cinétique qui enlèvera les armures et déplacera ennemis et objets devant vous. Encore. Utilisez la destruction pour enlever l'armure de la cible. Vous avez terminé votre entraînement à la destruction. Thank you.
Hé, cette arche débordait de matos incroyables. Ouais, je sais. Je suis complètement jalouse, là, alors te la pète pas trop, tu veux ?